Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est toujours le jeudi 18 et on se retrouve pour un petit tuto en série. On va venir essayer de faire un petit peu des tags. Donc j'avais déjà collé cela, ça va être à découper. Donc j'ai pris des cartonnettes, il y a différentes tailles, d'accord, différentes. Alors, eh bien, cela, donc, j'ai pris ça. Voilà. Je vais venir déjà découper tout ça. J'ai collé sur ma cartonnette. J'ai fait ça hier soir. Et en fait, après, j'avais plus envie. J'ai regardé un truc vite fait un peu à la télé. J'y ai suivi sans y suivre parce que je me suis à moitié endormie. Quand j'ai voulu monter me coucher, forcément arrivé là où je n'arrivais plus à dormir. Je suis redescendue une petite demi-heure et puis j'ai fini par enfin trouver le sommeil. Je me suis levée ce matin à 9h, tranquille et mille. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur mon merde. Et puis là, j'ai une pièce là au quatrième. C'est tout mélangé, c'est abusé. Il y a des papiers, des chutes, des machins. Abusé. Il faudrait vraiment que je fasse ça. Ça devient de plus en plus urgent. Parce que ça me saoule d'attaquer des trucs, de les ranger. Parce qu'il y a ceci ou cela. Donc voilà, que ce serait à mon atelier. Je pourrais donc laisser sur mon bureau des trucs en cours. Ça sera plus cool. Vous voyez, alors, il va y en avoir des gros, des petits, des larges, des moins larges, des moins longs. Il y aura vraiment un peu de tout. Et c'est mon but en vrai. Hein. C'est le but recherché clairement. D'en avoir quelques-uns d'avance et de différentes tailles. Du coup, ça ne va pas m'en faire beaucoup d'avance. Puisque je sais déjà plus ou moins il y en a où ils vont aller. Dans quoi? Dans caisse? Il y en a d'autres, je ne sais pas. J'ai surtout pris un tas de chutes de papier qui étaient là pour certains et pour d'autres. En fait, je me suis en faisant stocker, j'ai dit mais c'est vrai, j'ai ça, bordel. Donc j'ai sorti et puis voilà, voilà. Alors je pense que celui-là, je vais peut-être bien le laisser comme ça. Puis on a ceux-là. Donc, est-ce que dans mes petits chutes, il y en a qui pourraient correspondre? Absolument pas. Si c'est ça aussi le but. Et ben voilà, celui-là en peu. Alors, celui-là en près, j'ai mis celui-là. Oui, on peut. Alors, je vais venir mettre ma colle. Celui-là, il est pas mort en fait. Non, non. Je vais essayer de finir ces deux petits-là. Déjà, ce serait pas mal. Vous savez quoi, j'en ai marre de me faire chier. Il reste vraiment qu'un petit fond. Je vais essayer celui-là. Si ça met 15 ans. Allez, hop, ça met 15 ans. Tac. Oh, c'est bon, j'en ai marre de galérer, là. La machine est finie, c'est cool, je vais pouvoir l'étendre. J'ai ma copine de Montcuisel qui vient un petit coup cet après-midi me voir. Donc c'est cool. C'est vraiment de me mettre au ras. Voilà. Moi j'en aurais à découper mieux que je me porterais. J'avoue, j'ai sali le derrière.
C'est dingue, dingue de voir ça, je vous promets. Je vais attendre un peu pour couper parce que je suis pas trop mangé les ciseaux. Et puis je crois que celui-là, ça va être plus compliqué. À moins de faire un petit matage comme ça, ça pourrait être sympa. Ouais, carrément. Je vais venir le mettre comme ça, je vais juste cacher un peu les écritures. Est-ce qu'il ne serait pas... carré comme ça, ça pourrait être sympa. Je vais venir faire des petits carrés. Hop. Hop, je prends mon massicot, touch. Alors, on va se mettre sur 5,5, puis je reviendrai couper. Jamais, et je vais en couper qu'un pour voir. Parce qu'on n'a pris aucune mesure, si vous avez remarqué. Il y a 5,5. Ça me paraît parfait. Je commence à avoir un peu de compas dans l'œil finalement. C'est pas mal. Ça fait plaisir. On verra si on s'en sert ou pas. Mais je pense que ce serait bien parce que sinon ça fait pas beaucoup. Hop. Je vais prendre ma colle. Hop. Je vais venir le poser. Là, comme ça, c'est pour cacher ses écritures. Je garde un petit peu quand même, malgré tout. La couleur d'en dessous, elle est jolie. C'est un peu arc-en-ciel, tout ça. Pas mal. Pas mal. Puis derrière, je sais pas, je verrai le moment venu ce qu'on peut faire. Écoutez, pas si mal, je chante. Comme il y a un blanche. Rectangle, j'en ai. Hop. Hop, je vais venir le mettre là. Voilà. Alors, ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en aura 7. Je vais venir couper lui, mais je ne vais pas prendre les 6. Comme cela. Comme ça, voilà. Hop. Putain, mais c'est dingue.
si mal. Hop, voilà. On en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça nous en fait 7. Ok, ok. Je vais aller chercher perforatrice. Et puis, je sais pas trop quoi d'autre. Perforatrice, ruban. Là, j'ai deux, trois petites choses. Ouais, je voulais, je reviens. Alors, voilà. J'ai pris mes deux, trois perforatrices. J'ai pris des papiers, j'ai pris des trucs, quoi. Voilà, voilà. Alors, attaquer par... je vais déjà attaquer par l'ordonnée. Oh, mince, j'ai pas pris la... pas pris les bonnes perfos. Putain, je suis grave. C'est pas grave. Je vais déjà, dans tous les cas, voir celui-là, s'il passe dans celui-là. C'est mort, voilà, comme ça c'est plié. C'est vraiment pour faire des petites choses, du coup, je me dis. Hein. Ça passe pas. Donc, elle, hop, c'est mort, boum, boum, boum. Oh, fait chic. Petit chonk. Bah, elle est où l'autre là? Ouais, je vais arrondir mes ongles. Je vais prendre le plus gros. J'ai oublié celle qui me fait un petit trou. C'est pas grave, c'est de faire autre chose. Je les mets tous au plus grand. Peut-être que celui-là, je ne mettrai pas au plus grand, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que celui-là, je le mets au plus grand. Ça fait quand même tout de suite plus joli le fait d'arrondir un peu ses angles. C'est quand même pas mal. Ça fait un peu plus sympa quand même. C'est normal que ça m'a fait cet effet bizarre quand j'ai perforé. Ça m'en fait 4 de tailles différentes en hauteur. Hop. Vers celui-là. Celui-là, je vais faire un peu plus sur le moyen. Hop. Et celui-ci, c'est cool parce que celui-là. Faire sur le grand. Hop, celui-là c'est cool lui, parce que en fait il est déjà, il a déjà son petit trou. Alors je crois que je suis en train de me péter une crève, y a pas.
Ouais, je m'essuie de côté, mais je sais pas, hein, en vrai. Je suis pas sûre de moi. J'aurais voulu que celui-là il tienne, qu'il s'ouvre en fait. Voilà. Mais je vais pas le mettre sur celui-là, il est trop gros. Alors, on va le mettre ailleurs. À lui aussi, je pense. Quand vous avez pas quand même tout sous la main, c'est quand même chiant. Que j'avais fait avec les petits trucs de la YouTube. Il n'a pas bien collé d'ailleurs. Je vais en mettre direct de la colle. Hop. Je vais prendre un petit bout de ficelle que je vais venir couper à, je sais pas, prendre 20 cm, c'est déjà pas mal. On va mettre un petit nœud comme ça par là. C'est une voix qu'on a moins l'habitude, celui-là. Ça doit être la copine du voisin qui est là avec son chien. Je crois qu'on allait dehors. Peut-être quand même que je... c'est moi qui n'allais pas. Que je la vois pas. Le malfacteur, il a pris la route et il a tracé en fait. Hein. Il est allé faire son demi-tour, genre. Il a pris il a posé dans aucune boîte aux lettres, absolument rien. Et il me semble que c'est le petit jeune d'avant. Donc c'est cool. J'ai fait un peu comme une boucle. De lacets. Elle est pas très jolie cette boucle hein, de lacets. Peu. Hop, je vais venir la poser là. Ah, je vais mettre mon pistolet à colle en vite, comme ça, voilà. Oh, j'ai une prise en fait qui coule parce que sinon j'aurais jamais la table
dans le sens où elle est censée aller. Mais là, du coup, je me suis dit, mais si c'est bon, j'ai la prise là-haut, donc avec une rallonge, ça le fait. Ça le fait. Tac. Voilà. Tac, tac, ça c'est belle. Je vais tourner vite fait parce que ça me gêne. Parce que là, ma table, du coup, j'ai remis qu'une rallonge. Parce que je me suis dit, tu vas remettre les deux rallonges, je vais retout envahir. Alors qu'on peint demain, il y a un moment donné, il faut arrêter d'être con, hein, clairement. Je vais venir couper un petit carré là-dedans pendant ce temps. Ou un rectangle plutôt. Sur blanc. Tac. On peut quand même sur le thème mer avec ses nœuds marins. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je vais avoir des petites découpes. On va regarder ça. Ça, c'est chute, on a dit. Ça, c'est ça que j'ai fait avec vos petits papiers. Regardez là-dedans ce que j'ai. Forcément, il y a un truc d'intéressant. Ah oui, c'était par 1, 2, 3, je crois. Ouais, ils étaient par 3. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais taper. Je vais en prendre pas comme ça. Ça, c'est pas le même. Jusqu'au bout. 2, 3. La pièce en tout, pas le même. Prends un comme ça. C'est pas dit que je vais. J'en prends un de chaque, si vous voulez. C'est pas dit que j'y vienne découper ou y passer, hein, clairement. Voilà. Alors, tac, on a le petit nœud. C'est chiant, il faut découper. Je vais prendre la montre. Je vais prendre là déjà. Je voulais prendre la montre qu'il y a là. Donc ce que je fais, c'est que je viens déjà couper un carré autour de la montre. Voilà. Reposer celui-là, ciseau, je prends celui-là qui a une pointe à peine un peu plus. Puis je vais venir découper. Alors en fait, vous voyez, elle a un espèce de rond blanc tout autour. Je voudrais bien le garder, je trouve ça sympa. Donc en fait, c'est pas une montre, pardon, c'est une boussole. Ça a la forme de la montre, comme la montre à gousset, mais c'est une boussole pour regarder la tête au nord. Merde, j'ai mal coupé. Ça commence super bien. Hop. Fouillasse un peu pour ce que j'ai. C'est des plantes. Là. Ouais, je vais prendre ça là. Je vais prendre ça.
Non, c'est pas là que j'avais vu. J'ai bien ramené. Où est-ce que je suis allée poser? Sérieux là? Ah bon oui, j'ai ramené sérieux. Oh, ça m'agace. Putain, ça a une odeur de quelque chose. Non, ça sent bon, mais je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est eux. J'ai que des trucs, oiseaux, fleurs. Faut qu'on ait, j'en sais pas du tout ce que je recherche. Pas du tout. Je vais tendre une petite boîte là. Non, ça me... Non. Bon, je vais déjà faire coller avec ça. Je pense que mon pistolet a collé, ok. Oh, je stoppe. Sinon, j'ai eu peur de perdre la vidéo, comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Hop, et je vais venir déjà coller celui-ci. Tac. Ce n'est pas un sticker, donc je vais venir le coller celui-là à la All Purpose. Une fois de plus, je ne sais pas si on les fera tous ensemble, puisque je pense que la vidéo va déjà être bien assez longue. Alors, je me suis ramenée une pince comme ça, mais je la trouve déjà même pas si fine que ça. Ouais. Je pense qu'il y en a des plus fines pour... Je vais bien le mettre comme ça, là. Ça se marie, c'est très bien. Ensuite, je vais bien mettre mon petit... Tac. Et je voulais mettre, j'ai dit quoi, j'en ai pas pris en fait, du coup. Mettre un petit sentiment là ou là, je sais pas. Du coup là, j'ai pas pris, je crois que c'est les trois pareils, je vais vérifier. Je vais prendre le petit Happy Day là.
Je vais venir le mettre là, le petit happy day. Et puis là, je vais mettre la petite glace comme ça, là. Je me dis, ouais, ça peut être pas mal. Tac. Donc, regardez bien. Je le fais à la colle chaude. Donc, je prends un risque énorme parce que ça peut fondre la cire. La chouette m'a dit que fallait se méfier. Donc, on se méfie. Voilà. Il faut que je colle mon petit happy day, bien sûr, que j'ai oublié. Tac. Et tac. Voilà, ça nous donne ceci. Je trouve pas si mal. Hop. Il y a celui-là. Hop. Je vais mettre de côté par là. Tac. Et puis on va continuer. Gentiment. Bon, ça c'est poubelle, Audrey. Et ça c'est une chute, effectivement. Hop, voilà. Pas abuser. J'ai envie de venir m'occuper de quoi. Allez, je vais venir m'occuper un petit peu de lui. Ah, qu'est-ce que j'ai vu là-dedans? Le gus là, le gugus. Donc ça, c'est des trucs que j'avais trouvé chez Nose. Franchement, je les trouve, le papier, c'est de la qualité. C'est franchement pas mal. Je réfléchis juste deux petites secondes. Prendre la lunette. Je vais prendre aussi l'encre. Je vais prendre quoi d'autre? Ça. Et puis là, j'ai dit quoi? Je vais venir prendre. J'ai dit quoi là? J'aime me dire oui, oui. Là. Je vais venir me prendre celui-là. Hop, j'ai bien pris celui-là. Pardon, je suis pas du tout dans le... Hop. Hop. Je vais venir aussi choper un petit sentiment, je pense. Je
prendre Feel Good. Donc j'ai tout coupé, vous avez bien remarqué, hein, grossièrement, attention, hein, ça va pas. Donc là, pour celui-là, je veux prendre ça déjà, ça. Je vais prendre ça, je vais prendre ça. Déjà, pour commencer, je vais prendre aussi encore un petit bout de ma ficelle. Tac. Je vais voir aussi là. Là, je ne sais plus trop. On n'y aura pas. Pour se rappeler, j'avais pris ça aussi. Je ne sais plus trop. Bon, c'est romantique. Il n'y aura rien d'intéressant pour moi là-dedans. Mais bon, vérifier quand même. On n'est jamais sûr de rien. Plié pour celui-ci parce que là on a dit ça va être la même. Ouais. Ouais, allez, c'est la même, c'est la même. On va déjà devoir faire un trou pour le tournail. Alors j'ai ce truc là, mais je sais pas si ça va marcher ou pas. Je sais pas encore si ça marche ou pas. Je sais même pas où il faut vraiment le passer. Regardez comment, comme ça plutôt. On est sur quoi? Un petit 10. Crayon. Voilà. Donc en plus, j'ai ce truc là, mais j'en suis jamais servi. Du coup, je sais pas trop ce que ça peut donner. Franchement, je sais pas. Ça marche, ça marche, ça marche même plutôt bien. Par contre, ça fait vraiment c'est petit, mais bon, on s'en fout, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Si, c'est très bien. Voilà, je vais venir découper lui un peu mieux. Celui-ci, ok. J'essaie d'être au mieux. Je sais pas, je sens une journée pas rayonnante. Enfin, il fait beau tout ça, mais ouais, voilà. Alors, je vais venir le coller. On va le mettre un petit peu par là.
remettre ça par-dessus. Tac, je le retourne. Notre capitaine. Hop. Là, je prends mon feel good. Je viens de découper un peu comme ça, en suivant les lettres, mais pas de tout près, quoi. Pardon. Hop. Dès que ça ressort bien l'or après dessus là, j'aime bien. Je vais mettre coller celui-là par là. Tac. Hop. Je vais refaire une grosse boucle comme ça. D'accord, j'ai plié en deux mon fil, je fais une grosse boucle. D'accord, une grosse boucle. Un gros nœud plutôt. Là. Je voudrais un gros nœud. On va essayer de s'en mettre bien qu'il arrive dessus. Tac. Je vais y refaire quand même une autre boucle aussi là. Je vais laisser là pour l'instant. Je vais mettre pause, je vais chercher quelque chose, je reviens. Ah bah je vais mettre stop, c'est pas la vidéo. Et je vais venir mettre 2-3 coquillages. Celui-ci, j'aime bien. Un petit peu, normalement ça va couler, donc ça sera cool. Ça va pas couler assez, pas grave.
Je vais venir coller celui-là un petit peu par-dessus. Gros temps là. Un gros temps. Tac. Je joue un petit peu avec ma colle tant qu'elle est chaude. Elle bouge. Pardon, j'ai dit un gros mot. J'ai dit un méchant gros mot en plus. J'abuse, excusez-moi. Je vais le mettre là. Je fais deux petits points de colle chaude. Hop. Ça va nous donner quelque chose comme ça. D'accord. Vous voyez pas bien. Je vois pas ce que je vous montre. C'est chiant. Voilà, c'est mieux. Voilà. Et ce que je vais venir faire. Je vais prendre la longue vue. Mon truc ah puis ma machine est en rouge, j'arrête après. Je mets en fait c'est ça les mes vidéos sont parce que quand je fais ça par exemple quand je découpe je devrais vous mettre en pause quoi mais c'est pas instinctif en fait histoire alors voilà quoi. Donc je suis désolée pour ces vidéos longues, en fait finalement on fait peu de choses, mais où on fait tout ensemble par contre. Et on peut pas tout avoir, hein. À un moment donné, voilà quoi. J'aimerais bien. Allez, je vais mettre pause là justement pour découper ma petite encre, ok? Hop, voilà, je suis venue la coller comme ça là. Ok, et on ouvre là. Tadam! Là, on peut venir écrire un petit truc ou quoi que ce soit. Voilà. Eh bien, tout ça pour deux tailles. Alléluia, les choux sont là. Je pense que je vous laisse là. C'est une première partie de vidéo et vous aurez la suite plus tard. Je suis désolée parce que je trouve que c'est long. Et si je veux faire tout ça avec vous, il y a une vidéo de 3 heures à qui ça. Et c'est pas le but. Voilà. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Et ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao!